Amis du jour, bonjour et oui, on se retrouve avec Poppy dans les bois, il fait super beau, pour la cueillette des violettes. Elles sont particulièrement énormes cette année et en plus il y en a beaucoup. Regardez un peu la taille de ces violettes. Donc pour les attraper c'est simple, mais jusqu'au bout, hop, voilà, vous ne gardez que la florescence. J'en ai déjà un petit peu, donc selon, on peut voir avec le soleil, voilà, selon ce que je vais avoir, bien sûr, je vais voir ce que je vais faire. Il y a trois possibilités pour l'instant, quatre même. Bah, les garder comme l'année dernière pour mettre dans les salades. On ne les voit pas trop, hein. Voilà. Les garder pour mettre dans les salades, première chose, donc en les desséchant. Deuxième chose, en faire du sirop de violette. Troisième chose, en faire de la confiture de violette, mais là il en faut vraiment beaucoup. Et je suis pas sûre quand même d'en ramasser autant, même si vraiment cette année est particulière. Et la quatrième chose, c'est faire de l'eau de violette, pour sentir bon. Donc, tout dépendra de la cueillette. Je suis content, bien content, je vais me promener dans les champs. Ah, vous êtes encore là? Vous avez bien fait, regardez un petit peu. Je viens me balader et que vois-je? Regardez la taille de cette asperge. Oui, c'est encore le moment. Il y en a même une autre derrière, je ne sais pas si vous la verrez. Là derrière, il y en a une autre. C'est encore le moment des asperges. Et ici, cette année, bien sûr, comme le temps a été très très doux, elles sont énormes. On peut de quoi se régaler. Alors bien sûr, hein, comme toujours, vous connaissez mon conseil, on ne prend pas tout, on ne pille pas. Et puis on prend que la pointe parce que ce n'est pas grave pour la plante, vu que les petites feuilles elles vont quand même se former après à côté. C'est-à-dire qu'on coupe juste la pointe. Comme ça. Voilà, ce qui est bon à manger. Et là, ici, là, tout ici, il va y avoir les petites feuilles qui vont repousser. Donc on fait pas, on n'a pas un impact vraiment violent sur la nature. C'est encore Poppy qui m'avait montré cet endroit et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez de la vie, sortez. Et surtout, hein, en préservant la nature, vous pouvez faire de jolies récoltes. À bientôt les amis. On continue nous.